Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chita dans des nouvelles, ça, qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info, quelque soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. Jeudi, nous avons une édition spéciale pour, eh bien, on connaît une grosse manifestation qui était gros marche, mais qui était lancée par plusieurs organisations dans la société civile là, avec organisations syndicales, organisations, eh bien, qui ont même organisations sociopolitiques, organisations de base, organisation politique, mais eux même ils ont été lancés pour journée dimanche là, mais c'était un véritable succès. Faut que nous disions, eh bien, ça n'a pas empêché tout et gagné plusieurs incidents qui passaient et dans manifestation ça côté au moins gagné un monde qui mourit et pas balle. C'est dans zone dans Delma 95 côté gagné base bandit qui au même, eh bien, toujours les manifestants à passer dans la zone ça ils ont toujours riposté. Donc il y a un peu le monde qui dit c'est et monde qui proche pouvoir qui a mais qui a fait action ça. Donc faut que nous disons tout gagné et au moins c'est un policier, un agent Simo qui blessé et qui peut recevoir un coup de roche dans bouche dans Delma 60 et puis gagné au moins deux journalistes qui recevoir balles et qui blessés par balles en caoutchouc. Donc Jean nous dit oui, mais c'était yon marche plusieurs organisations syndicales, membres et disons et société civile là, organisation société et disons sociopolitique, organisation de base, organisation politique qui ont même été lancées pour journée dimanche là. Et ben Jean, tout le monde a constaté que c'était un véritable succès puisque c'est plusieurs dizaines, milliers de monde qui étaient donc foulés béton dans Port-au-Prince ben, pour manifester Coléo. Donc pour être capable de dénoncer M. Jovenel Moïse, il a demandé de finir depuis 7 février 2021 sous pouvoir alors qu'il était croqué sous pouvoir. Donc il a dit, eh ben, monsieur voulait établir un dictatif féroce dans le pays d'Haïti et c'est pour ça la population lui-même l'ité prend la rue pour dire non assez, eh bien il est le temps pour question dictati, peuple haïtien te combat ça fait 35 ans dans le pays d'Haïti et que yon pas tourné là-dedans encore. Donc l'autre objectif manifestation ça te gagné, mais c'était dénoncer phénomène insécurité avec kidnapping qui yon même a fini avec le pays d'Haïti, a décapitalisé et classe pauvre là. Puisque yo di population haïtienne nan pa gagne sa yo rele médian là dans encore et classe moyenne li pa existé encore puisque classe moyenne nan avec classe pauvre la fait yon sel parce que bandi yo fin décapitaliser moun sa yo nan question kidnapping avec la misère kap fini ak yo. Et tout c'était pour dénoncer tout les comportements responsable bureau Nations Unies dans le pays d'Haïti à Bini, madame Hélène Lalim, yo dit qu'il est même pas suspend et fourré bouchli bien fond fait ingérence dans affaires politiques pays d'Haïti. Donc organisation yo et fait qu'on est, eh bien, yo estimé madame Lalim, yo considéré le takou yon moun et takou yon membre parti politique PHTK puisque tout ça li dit dans déclaration la fait dans toute position la prend ses positions qui allait en faveur eh bien régime PHTK d'après ça yo fait connait. Faut que nous dire où marche ça lui-même qui était démarré sous champ de masse sous place constitution sous champ de masse, eh bien il était transformé en manifestation dans divers côtés que l'a passé. Donc l'été prend Ricapoua pour lui, il passé la lue, l'avenue John Brown il monté, il prend avenue Martin Luther King, il traversé et puis il descend sous Nazon. Donc il tombé sous Carrefour Aéroport, ça relé et pont aéroport et Carrefour Résistance pour militants qui baptisé le nom ça. Li prend route Delma et li monte et pour te aller Pétionville, rive Delma 60. La police et ben te monte un gros barrage pour te empêcher manifestants yo monter disons Pétionville et par route Delma puisque à partir de la zone Delma
95, yo konnen genyen yon base bandi ki toujou ap tire sou manifestan yo, donc yo pa dle te gen problème nan zon sa. Et kom de fèt, genyen plizye choufer et motosiklet ki te franchi barrage la police te mete a, ki pase yo monte, gen yon nan yo ki al tombé en bas balle monsieur Sayo dans zone 95 ans mais côté yo boulé monsieur mettait dit fait sous lit et ensemble avec toute motocyclette que l'étape conduire. Donc arrivé Delma 60 t'as pas gagné quelques tirs chauffourés entre forces de l'audio avec militants yo manifestants yo quelques manifestants qui ont même été voulu franchir barrage là et là ils vont commencer tirer roche sous agent et Simoyo qui au même gen yon nan yo qui recevoir yon coup de roche nan bouche et monsieur blessé. Donc c'est là gagné et disons agent policier pareil yo qui te prend monsieur et ben qui te bal soin qui te mené monsieur al bal soin qu'al mérité. Donc c'est là yo te fait déviation entre route Delma pour tomber Delma 60 Musso. Yo te tombé sous Kafou et disons Musso dans zone Bourdon. Eh bien, yo continue monter Pétionville et l'air de Pétionville et foule manifestant qui était plusieurs dizaines milliers. Eh bien, yo te allé devant bureau OEA qui c'est organisation État américain yo. Après, yo te fin parcouru plusieurs rues dans ville Pétionville là, dans commune Pétionville. Eh bien, yo te tombé devant bureau OEA. Donc, yo te bail un message symbolique. Et donc, pour dire, monsieur, dame, OEA, yo, ensemble avec bureau Nations Unies, eh bien, pour que yo suspende balance politique là, yon sel bo. Donc, yo kwe, peuple haïtien, il est temps pour joindre support communauté internationale là, puisque d'après ça, on dit, le régime qui là, c'est pas des mal, li fait population haïtienne, alors que, et communauté internationale là, pas jamais parler des problèmes ça, yo, qui de ces problèmes, et disons, massacre qui fait nan, et quartier populaire, yo, qui de ces questions gang cap et fini avec pays d'Haïti, question la misère, insécurité, et bien question de bande décret qui fait par ci par là et exécutif là publié, donc qui pas en faveur population, des questions élection pour organiser et que li fait un conseil électoral pour compte li et sans aucun secteur nan nation. Ensuite, des questions référendum yo parlé et que chef l'État et prend disons pral faire référendum dans la constitution alors que constitution dit qui gens pour yo capable et changer. Yo parlé tout de plusieurs actions qui passaient récemment. Yo parlé des questions arrestation illégale qui fait sous juge dans la cour cassation. Yo parlé tout des questions de révocation de plusieurs juges dans la cour de cassation alors que donc juge ça c'est des juges qui inamovibles d'après article 177 constitution pays d'Haïti. Donc exécutif là yo parlé tout li nommé encore et trois juges encore des de la loi après le défini révoqué trois juges dans la cour cassation. Donc c'est une bonne et bagaille estimé et ben pouvoir exécutif là lui-même li fait des de la loi alors que eh bien li pas parlé yo pas jamais parlé ça de que disons yo pas jamais supporté peuple haïtien alors que bagaille ça yo dit yo pas en faveur peuple haïtien. Donc c'est pour ça donc yo était manifesté pour te dit et OEA avec BINU qui c'est Bureau Nations Unies dans pays d'Haïti ben pour suspendre et brasser chaudière en seul bord ben faut qu'il y ait problème peuple haïtien gagne tout mais pas garder seulement côté mais monsieur qui au même sous pouvoir dans pays d'Haïti. Donc j'en dis ou li ben te gagné quelques petits et nan itinéraire ça yo te fini là yo fini dans itinéraire là et ben yo te bay déclaration devant et OEA et pour signifier monsieur Sayo et ben, pays d'Haïti pas pour seulement autorité qui sous pouvoir. Yo parlé aussi avec madame Lalim qui lui même c'est responsable BINU Bureau Nations Unies intégré Nations Unies en pays d'Haïti. Donc yo fait connait et bien pays d'Haïti pas pour et autorité qui sous pouvoir seulement mais c'est pour peuple haïtien. Donc autorité yo pas capable à décider sans peuple haïtien lui-même li pas au courant de ça autorité yo même y a fait. Donc faut que nous disons
Mais bilan, tu as gagné quelques incidents qui passaient dans le cadre de manifestation ça avant, disons, dans tout parcours jusqu'à ce qu'elle soit fini. Donc, il y a des gens qui mourent en bas balle dans Delma 95. C'est un chauffeur motocyclette qui a franchi barrage policier qui passait. Eh bien, là, M. Tabral tombé en bas balle dans la zone Delma 95, côté. Eh bien, moun sa yo ki tire sou liya dans zone sa, yon base bandi, mais yo mette du feu sou monsieur avec toute motocyclette la. Gen tout yon blessé par balle dans zone Delma 60, yo te mené moun sa à l'hôpital tout, yo pa gagné identification li. Gen yon agent Simo noté dou sa ki li même recevoir yon coup de roche nan bouche nan moment te gagné ti échauffouré entre militants yo avec agent policier qui t'a demandé de dévier par Delma 60 pour être capable de monter Pétionville. Gagné tout, ben plusieurs monde qui blessé en bas balle en caoutchouc et dans place canapé vert et disons les manifestants ont arrivé zone canapé vert. Gagné deux journalistes qui blessé en bas balle en caoutchouc fois ça c'est sur place Constitution sous champ de masse côté. Eh bien, l'équipe journaliste a quitté très nombreux, ils étaient en pile, eh bien, ils étaient campés, ils étaient en foule l'arrivée et dans la place Constitution à Souchon de Masse. Eh bien, c'est là qu'une machine zoriquin d'après le passé, d'après le tirer à bout portant sous équipe journaliste. Côté gagné, au moins deux journalistes qui blessés en bas balle parmi eux, les journalistes. Yon chaîne qui relaie Machanzin Haïti, yon chaîne YouTube qui relaie Machanzin Haïti. Donc, faut que nous disions, yon te couru l'hôpital avec deux journalistes à yon, ambulance te pran yon, mené yon l'hôpital. Gen tout yon machine qui boule devant local OEA, devant local Organisation État américain de la Pétionville, gen yon machine qui boule rapide. Non, massa qui était transformé en manifestation, qui était presque fait ronde et Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Boudon encore la ville, gagné en pile personnalité, leader politique, qui ont même qui était foulé béton, qui mette pied, qui était répondre présent, non, massa là, qui était transformé, j'en ai dit, en manifestation. Non, Port-au-Prince. Parmi moun nou te joine nan manifestation sa, personnalité politique, Wen Yuri La Tortue, Moïse Jean-Charles, te genye agronome Jean-André Victor, te genye tout Ronnie Timothée, Biron Odige, ancien député Diritard Dieu de Pétionville, René Civil de Émergence Patriotique, te genye Steven Benoît. Donc, tu as gagné tout Jean-Robert Bossé, ancien député Akin. Donc, c'est quelques personnalités politiques qui ont même quitté dans la manifestation. Si là, je vous invite à suivre Kounia, déclaration plusieurs disons, militants politiques avec responsables politiques qui étaient présents dans la marche là. Parmi eux, n'a pas présenté quelques petites déclarations, tant que René Civil, René Timothée, Biron Odige, avec Yuri La Tortue. C'est parce que Jovenel Moïse violé la constitution, Jovenel Moïse kidnappé par les nationales. Et aujourd'hui, nous connaissons le mandat Jovenel fini par le président encore. Depuis 5 février, c'est le peuple à président. Et bien, le peuple a pris la rue aujourd'hui pour le dégager Jovenel Moïse. Le peuple a pris la rue aujourd'hui pour le montrer. Pas gagner l'autre pouvoir encore que lui-même. Jovenel Moïse, mandat fini. Même si on a Jovenel Moïse, même si on a Jovenel Moïse, révoquez-j'y, arrêtez-j'y, nommez-j'y, crasez l'autre pouvoir.
pouvoir, mais nous-mêmes nous connaissons. C'est nous-mêmes qui président pays a pour le moment, c'est le peuple là. Le peuple là, le 17 février, le président, nous pouvons aujourd'hui, le président. Nous pas dans violation de la constitution. Nous pas dans rien encore avec Jovenel Moïse. Pour nous, le Jovenel Moïse, c'est le passé. Et c'est dans la bataille ça nous dans la rue. Le peuple là prend la rue, n'a mobilisé, n'a manifesté, et pouvoir nous, n'a prendre, n'a jugé Jovenel Moïse. Mais on va nous battre au tout. On va nous gâter. On va comprendre l'histoire plaque. Tu es mon jeune libéré là. Tu as dit à nous dire comme ça. Même les nouvelles vivent 426. Mais nous gagnons une histoire. Nous va tourner notre statut. Nous sommes d'accord. Les gars viennent mettre nous dans notre statut. Je tiens. Si les gars viennent pour attaquer, vous allez. Et vous allez la famille. Vous allez la famille. Mais pas nous même petit. Manifester. Je dis à nous convaincre de venir pour nous dire si nous sommes pour qui ça. Madame Aline qui sont syndicalistes, qui ont voté comme sous le pays, nous devons dire pour ça, retirer pour là, nous ne pouvons pas voler le pays. Nous déclarons personne à nous gâter. Je dis à nous même jeunes garçons, jeunes filles dans l'arrière, nous ne pouvons pas mentir, nous ne pouvons pas agir. Sans nous être dans le pays, nous pour une bataille, pour nous changer le pays. Parce que je dis à avec 25 ans, nous mettons notre classe politique, jeunes garçons, jeunes femmes, qui me porte pour jeunesse fait propre, qui pourrait faire tout le bagage dans le pays. La presse, peuple avec nous, même j'ai maté avec nous, et bien, peuple a grand avec nous, mais c'est pile la presse. Parce que c'est pas nous-mêmes, pour les gars de gâteau en pile. Abat dictature. Nous voulons vivre. Jovenel vandaliser le système judiciaire. Nous voulons vivre. Trois pouvoirs va exister, vous seul pouvoir. Mandat Jovenel fini. Nous demandons pour Jovenel quitter le pouvoir quelques mètres en dehors de la loi. Vous reconnaissez Jovenel Moïse comme un dictateur. Comme un voleur. Jovenel qui a volé le pouvoir. A partir de aujourd'hui, nous reconnaissons Joseph Pressel, Jean-Louis, comme président du pays. Jovenel Moïse, son voleur, son dictateur, nous ne reconnaissons pas. Nous sommes Barou et quelques personnalités politiques qui étaient dans la manifestation. Nous avons présenté quelques gros personnalités et bien, dans la société civile là, yo même tout qui étaient prend béton, foulé béton aujourd'hui. Donc c'est pas bagarre facile puisque yo estimé situation catastrophique, les difficile, yo fait qu'on est donc pays a fini tomber dans dictature ou yon bagay yo été gommé pour lui qui tel donc était capoté et pouvoir régime Duvalier depuis 1986, donc déjà 35 ans depuis, ben nous sortis dans le régime Boudi, et bien il dit en vie tourner. Donc quelques personnalités nous rejoignent dans la société civile là, rejoignent journaliste légendaire Liliane Pierre-Paul, rejoignent Jean-Monard Métellus, Jacques Adler Jean-Pierre, et gagner tout personnalité tant pour Pierre Espérance, te gagner Maître Gédéon Jean et Latrier pour ne citer quelques personnalités ça au seulement. Faut que nous disions aux amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'était une manifestation qui était déroulée de façon pacifique et bon côté la police, il a gagné de bon comportement aujourd'hui, puisque et bien, dans tout parcours manifestation, c'est seulement dans la zone d'Elma 60, gagné quelques gaz lacrymogènes qui étaient tirés. Les foules là, lui-même, les pattes bleues ont tempéré pour le faire déviation dans Delma 60. Avec tout, les ont arrivé sous champ de masse. Et bien, côté, tu as gagné, et bien, en pile gaz lacrymogène, avec balles réelles, avec coup de balles en caoutchouc qui étaient tirées sous champ de masse là. Dans le moment, tu as gagné, et bien, en pile et militants politiques sous champ de masse là, qui eux-mêmes, et bien, tu en vie envahi et espace la champ de masse là. Et eux-mêmes tout, et bien, la police était tirée, et coup de gaz lacrymogène. Pendant yon même yon tap tiré biswit l'état tiré coup de roche sous la police qui lui même te riposté ben lui même pour te capable mettre l'ordre et c'est la manifestation lui même
l'ita pral fini. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'était un numéro spécial et nous t'ai voté pour vous. Donc pour nous desservir, c'était amis frères, mais il faut que t'observer. Nous casser rendez-vous demain, même là même chaîne, si papa bon Dieu content. À bientôt.